Jean Nantide est un établissement privé sous contrat avec le ministère de l'Agriculture. Il est constitué de trois entités, un lycée professionnel qui accueille les élèves en 4e, 3e découverte des métiers, en CAP service aux personnes et vente en espace rural, en bac pro technicien conseil vente en alimentation, technicien conseil vente en animalerie et en bac pro service aux personnes et au territoire. Donc c'est à peu près 310 élèves qui sont accueillis en demi-pension, externat ou internat. La deuxième entité, c'est un centre de formation adulte qui propose la formation CAP petite enfance et ensuite un IFAP, Institut de formation d'auxiliaire de puériculture, qui permet la formation d'auxiliaire de puériculture en un an. Notre mission, avant tout, c'est d'accueillir les jeunes tels qu'ils sont et de les accompagner vers leur épanouissement et leur réussite, tant personnelle que professionnelle. La chance qu'on a, c'est qu'on a un lycée à taille humaine. On accueille des élèves en quatrième qui peuvent repartir en bac. Et effectivement, on voit l'évolution, on voit qu'ils ont grandi, qu'ils ont pris de la confiance. On essaye de les valoriser au maximum. On peut avoir des jeunes qui ont des difficultés scolaires, qui ont besoin de quelque chose de plus pratique, dont le fait qu'il y ait plusieurs stages en troisième et puis cette ouverture à des métiers est vraiment un plus pour eux. Pour certains, c'est vraiment aussi la possibilité de redécouvrir leurs capacités, d'entrer après dans une formation où ils vont se sentir bien après peut-être un échec scolaire. Le travail consiste tout simplement à accompagner des élèves qui sont en difficulté scolaire. Moi, je suis une béquille pour eux. C'est-à-dire que dans un premier temps, j'apprends à les connaître, je les aide dans leur travail au quotidien. À la fin de mon intervention, au bout d'un an ou de deux ans, on enlève les béquilles et puis les jeunes qui étaient en difficulté peuvent partir tout seuls. Il y a une grande bienveillance des professeurs. Il y a vraiment un encadrement, il n'y a pas de jugement. Ils sont sympathiques, ils expliquent. On n'est pas beaucoup par classe, on est une vingtaine. Et ça se passe bien parce que du coup, les profs, ils ont plus de temps à nous accorder. Quand on travaille en pratique dans des différentes salles, on est tout le temps divisé par deux groupes, donc ça avance encore plus vite et ça nous permet de mieux apprendre. Le professionnel, ça ouvre les portes à plein d'autres études après. Il y a beaucoup de gens qui voient le professionnel comme un échec, mais pas du tout, ça les oriente sur un métier. Je pense qu'on peut tout aussi réussir que les personnes en général, c'est juste qu'on prend plus notre temps et qu'on a vraiment un but précis.